les malaises et les médicaments. Est-ce qu'un secouriste est autorisé à donner un médicament à une victime? Il y a une idée reçue qui consiste à dire « on ne donne pas de traitement, on ne prend pas la responsabilité ». Il y a néanmoins deux situations où le sauveteur secouriste va pouvoir aider la victime à prendre un traitement. La première situation, la victime est suivie par un traitement, c'est son traitement, ça lui a été prescrit par son médecin et elle demande de l'aide pour le prendre. Eh ben, on va lui donner. Une personne qui fait une crise d'asthme et qui a sa ventoline dans le manteau, on ne la laisse pas suffoquer, on va aller chercher sa ventoline et on va lui donner. Le deuxième cas de figure, on a pris un avis médical. Et au bout du fil, le médecin du SAMU nous ordonne et nous demande de donner tel ou tel cachet. On va le donner. Ce sont les deux seules situations où le sauveteur secouriste va pouvoir administrer ou aider en tout cas la victime à prendre un traitement.